pour calculer la dérivée de tangente de 1 sur x, qui est une fonction composée, nous allons utiliser la formule correspondante qui dit que g de f de x prime, c'est g prime exprimé en f de x fois f prime de x. Pour notre exercice, le g, c'est la tangente, et le f de x, c'est 1 sur x. Donc d'abord, il faut dériver cette tangente. La dérivée de tangente, c'est 1 sur cos carré. Cette dérivée, il ne faut pas l'exprimer en x, mais bien en f de x, donc en 1 sur x. Ainsi, nous obtenons 1 sur cosinus au carré de 1 sur x. Et puis ceci, il faut encore le multiplier par f' de x, donc il faut encore multiplier par la dérivée de 1 sur x, comme ceci. Pour calculer la dérivée de 1 sur x, on peut utiliser la formule de f sur g'. F sur g', c'est f' fois g moins f fois g'. Prime sur g au carré. Et comme 1 prime est égal à 0 et x prime est égal à 1, nous obtenons comme dérivée de 1 sur x moins 1 sur x carré. On peut encore calculer cette dérivée autrement, puisque 1 sur x est la même chose que x exposant moins 1, comme ceci, et x exposant m prime, c'est m fois x exposant m moins 1, donc ici ça donne moins x exposant moins 2, c'est-à-dire moins 1 sur x carré. Cette dérivée, nous pouvons l'insérer dans notre exercice, voilà, c'est fait, et cette fraction s'écrit encore un peu plus simplement. Et l'exercice est déjà terminé.